Enfin bon, tu veux que je fasse cette histoire? Ouais, il faisait beau. Espérons que la mer elle sera moins froide pour aller à la plage. Ouais. On va essayer de faire des sorties. Voilà quoi. Les gars, c'est dur sa mère. Solide. Pas l'habitude. Pas l'habitude, les gars. Mais en mode non, les gars, on est là pour faire rire les gens. Et des fois, c'est compliqué, les gars. Vous avez vu le message, je pense. Pour ceux qui n'ont pas vu, les gars. Je vous remets. Bref, c'est la vie. C'est comme ça, les gars. Puis y a des moments compliqués. Des moments très compliqués. C'est comme ça, on peut pas être toujours joyeux. C'est quand même mieux de t'harceler, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Ta mère, la... Bref, à part ça, les gars, il y a un vlog qui est sorti. Le septième. Septième vlog. On enchaîne. Par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à Koudou, il m'a appelé tout à l'heure. Quelques heures, il s'est excusé par rapport à plein de trucs. Ouais, mais il n'avait pas encore vu la réponse. Il n'avait pas encore vu la réponse que j'avais faite. Il s'est excusé, il a dit plein de trucs. Bref, il s'expliquera. De toute façon, moi, j'ai rien à dire. Ça, c'est secondaire. Juste, les gars, ce que je vous demande, c'est pas insulter Koudou. Vas-y, j'ai parlé avec lui. C'est rien de l'insulter. Ça sert à rien de mal lui parler ou de l'harceler ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est un peu dans sa tête, il est un peu déboussolé en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pour passer du coq à l'âne, les gars, pour changer de sujet, Koudou, il a eu des propos, il a eu des trucs. Voilà. Juste, les gars, ne soyez pas cons. Bien évidemment qu'il a été payé. Enfin, il a été payé. Bien évidemment qu'il y a bien plus qui était payé, même. Et ce mois-ci, il reçoit 3 000 euros et ça, il a annoncé à personne, il a dit à personne. Le PC, bien évidemment, que c'est nous qui l'avons acheté. Un écran qui nous appartient, bien évidemment. Il est parti avec. Sans compter le reste, tous les vêtements que j'ai payés de ma poche, toute la nourriture, tous les jours que je payais de ma poche depuis 3 mois, etc. Bref, je vois j'ai parlé un peu avec lui. Bref, il était un peu truc. L'histoire du quoi, soi-disant, il y a un youtubeur qui parlait avec lui. Il m'a dit que c'était un troll, il a paniqué, il a inventé sur le live, il savait pas quoi dire. Bref, il est un peu déboussolé. Il est juste perdu. Ouais. Ça. C'est la même histoire que JP, il s'est fait manger le cerveau. Par rapport à Gwen, je pense que pendant quelques temps. Gwen, il sera pas là pendant un bon moment. Il a besoin de rester avec sa famille. On sait pas combien de temps exactement. Puis voilà. Les gars, vous crachez pas sur Koudou, ouais, exactement. Ça y est, ça y est. Y a rien à dire sur ça.
Il y a quoi avec Gwen? On a mis le message. Je pense que tu le verras de toute façon. Ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Pour ça que hier c'était compliqué. Parce qu'on l'a appris hier. T'as mis où le message? Je l'ai mis là. Tiens, pour ceux qui n'ont pas vu. Transparence. Max, les gars, avec vous. C'est une épreuve. Exactement, les gars. Les épreuves de la vie, les frères. C'est dur. Bon, à part ça, les gars, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et hier, un bon week-end aussi. Ouais, un bon week-end. On n'a pas été là ce week-end, on se reposait. Truc. Arrête, ouais, lunettes. Oh, ouais. Bon, là, t'as mis une claque de daron. Elle est humide. T'as mis une claque de daron. Lunettes. C'est bien. C'est dégueulasse en plus. Claque de daron. Et ouais, les gars, on a lancé. Pourquoi? Parce que les gars, fallait. Vous êtes nombreux à nous attendre chaque soir. Donc, on est là. Je suis un peu désolé pour l'ambiance. Bientôt, normalement, le 15 ou le 16, je ne sais plus. Il y aura un live spécial. Je sais pas si on le fait sur cette chaîne. Est-ce qu'on peut déjà l'annoncer déjà? Oui. On peut pas tout annoncer, mais on peut annoncer. Okay. Je sais pas si on le fera sur cette chaîne ou si on le fera sur Twitch. Tout dépend de comment ça va se mettre en place. On aura besoin de votre présence. On va faire un... Comme par hasard. Un live pour les enfants malades. C'est un projet sur Marseille avec du coup bah c'est avec le Stade Vélodrome. On sera en live en direct du Stade Vélodrome sur la pelouse. Donc moi ça me fait énormément plaisir. Vous savez que je suis un supporter de l'OM, donc c'est intéressant. Donc très très content. On sera sur la pelouse du Vélodrome. On fera un live et c'est pour les enfants malades. Donc les enfants malades. De Marseille, des hôpitaux, tout ça. Il y aura du beau monde et c'est nous qu'on va gérer la soirée du live, etc. En live, etc. Donc on va filmer ce qui se passe. En gros, on aura une caméra embarquée, je pense. Ouais, il y aura pas mal au milieu du gala. Exactement. Il y aura passé un gala. Il y aura pas mal de personnalités. On va essayer de vous faire des petits trucs. Ça va être sympa. Il y aura bien évidemment une barre de donation pour le projet. Ça va être une maison qui va être construite pour les enfants malades. En attendant les... Si JP sera là, JP, bien évidemment. Oui, ouais. Ce sera à peu près comme il l'a fait Media aux Flammes. On va faire des petits jeux avec les invités. On va préparer au préalable. Donc voilà, quoi d'autre? Bien évidemment, je tiens à le préciser, il n'y aura pas de politique. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de politique. Parce qu'il y aura des maires, il y aura des trucs et tout. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on sera là que pour le live et pour les enfants. Voilà, ça, c'est un truc qui va arriver dans pas longtemps. Je vais voir ce qu'on va mettre en place. Il y aura qui? Je peux pas encore vous dire, mais croyez-moi, il y aura du bon monde, les gars. Il y a moyen de faire un bête de live en mode multiverse. Avec des spectateurs en tribune, je sais pas comment ça se passe exactement. On est en train de voir. On pourra vous voir IRL. Je sais pas comment ça se passe. Je vous tiens au jus s'il y a moyen de venir en IRL ou pas. Jackie sera là. À éviter. Ouais, à éviter. Surtout Jackie. En et en plus, il y aura Jul. Tu pourras le sucer vu que t'as envie. Ah, il y a Jul. Regardez mon suceur. Regardez ce suceur. Non, attends, on sait pas donner des blagues. Hein. S'il y a Jul, t'es content? Ouais. Tu vas faire une photo s'il y a Jul? Bah oui. Dis-moi trois musiques de Jul. L'OVNI. Il y a quoi encore Ah, je sais plus. Merde. Ah, je sais plus. Regardez, mais... Une seule. L'OVNI. Ouais. J'aime bien. C'est tout? Ouais. Ok. Et pourtant, t'as écouté tous ces albums et tout. Ouais. Rien d'autre. Il n'y a pas un truc là qui te vient en tête. Bon. Rappelle-moi ce qui est ton rappeur préféré. Bah, Jul, mais bon. Jul. Jul, et qui? Cite-nous tes trois rappeurs préférés. Rappeur. Voilà, c'est principalement c'est Jul, c'est. J'écoute quoi encore? J'écoute du. Qui d'autre?
Attic, c'est pas un rappeur, c'est plus un chanteur love. Ouais, tu as des problèmes, toi. Je sais pas, je crois que c'est un rappeur de base, non? Bon, on va dire que c'est un rappeur. Chanteur love. Il fait de la Zumba? Non, ouais, les petites étoiles, les trucs comme ça. C'est... En fait, c'est parce que t'écoutes que les sons où il fait. De... Ouais, mais sinon, il y en a où il rappe. Il y en a un à chaque fois que tu disais sans blaze. Dans Welcome, il rappe. Avant, t'écoutais tout le temps. Tu disais sans blaze à chaque fois. T'as pris une photo avec. Sosomanes. Ouais. T'aimes bien Sosomanes? Ouais. Dis-moi une musique de Sosomanes. Ah là. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Une! Dis-moi une musique. Dis-lui, il écoute les musiques, il retient pas les titres. Ouais, c'est vrai, je regarde même pas le titre. Bah ok, tu peux me la chantonner? Même pas. Ok. Mais si, qu'est-ce que t'as? De quoi? Lequel? ODD. ODD, il y a... ODD. Sur son manège, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, sur son manège, sur ODD, les gars, un classique. De ouf. Michael Jackson, non, t'écoutes pas trop des bails comme ça, toi? Non. C'est plus moi, ça. JP, les gars, c'est lui et sa mentale, les gars. Genre, il écoute des musiques, il connaît pas le titre, il connaît rien du tout. C'est, tu mets la musique et... La musique, ça me plaît, ça reste. C'est quoi la musique que t'écoutes, là, en ce moment? Capitaine. C'est quoi, ça? Capitaine. De Jaja Ginas? Ouais. Bah, tu vois. Non, je sais qui ment, je sais laquelle écoute. C'est mon compte. Le compte Spotify, là, c'est le même compte que j'utilise pour la voiture. Ah ouais? Ouais. T'écoutes que ça, en ce moment? J'écoute ça, j'écoute... C'est vrai, ça, en ce moment. Ah, moi, je crois que c'était Capitaine ou Capitaine. C'est ça, la musique qui tourne, là, sur TikTok. Ah non, je connais pas. Ah, ok. Non, c'est ok, ok. Pas mal, oh. T'écoutes du Jaja Ginas, alors, ouais. En voiture. Mm-hmm. Quoi, toi, ah, t'écoutes qu'une musique? Non, mais je mets le truc, je mets le... Je demande à Spotify et mettre la musique. À qui? Quoi? À Siri. À qui? Spotify? Non, ouais, je mets Spotify. Postify. Je mets Postify. Je mets la première musique et après... Et après, ça défile. Ça défile. Et tu laisses. Écoute du bon sang dans ma smart. Fils de... Il y en a un qui s'appelle Donne la Smart. J'avais jamais vu le pseudo. Oh. Donne la Smart. Ouais, Postify, sur Postify, les gars. Spotify. Il écoute les best-of de Patrick Sébastien. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur un sujet. Ouais. J'ai vu mon neveu. Mm-hmm. Et mon neveu, il m'a dit ça. T'as fait quoi, JP? Il y a ma paix à dos d'honneur. D'accord, je m'en occupe. Ouais. T'as fait un dos d'honneur. T'as fait quoi, JP? Il y a ma paix à dos d'honneur. D'accord. T'as fait un dos d'honneur à ton neveu? Ouais. Sur le balcon, de balcon à balcon. Il est venu me voir, il m'a dit JP, il m'a fait un doigt d'honneur. Je te jure, il m'a dit comme ça. Et j'ai pas fait le doigt d'honneur. T'as fait quoi? Comme ça. Jure. Okay, comme ça. Comme ça. Jure. Maintenant, que t'as pas fait un doigt d'honneur à mon neveu. Pourquoi il a dit ça? Monsieur, il est venu me voir, premier degré, il m'a dit JP, il m'a fait un doigt d'honneur à travers le balcon. C'est sûr, tu l'as fait. J'ai vu chez moi hier. C'est pas un monteur. Le petit? Oui. Alors c'est chez toi, tu l'as fait un doigt d'honneur. Ah non, son père, oui. Ah, c'est son père. Oui, son père, oui. Et tu l'as rendu à son père? Ben, moi, j'ai pas. Son père, il a fait un doigt d'honneur à son fils, mais pas à moi. Et puis, si je ferais un doigt d'honneur à un petit. La vérité sort de la bouche des enfants. Exactement. Il se perd dans son mensonge. Oui, il est perdu là, il sait plus quoi dire. Arrête, s'il te plaît. T'inquiète, t'as le droit. Attention de ne pas le laisser à la XP. Mais les gars, il a les gènes de Jackie dans le sang. D'ailleurs, ils vont bien, Jackie. Ah, arrête, ça fait mal. Joël. Non, Didi, arrête, ça fait mal. Arrête pas. Joël, elle va bien, Joël? Oui, ça va. Tu l'as eu au téléphone là dernièrement? Oui, hier. Ouais, ça s'est passé comment? Bien. Ouais. C'est quoi en ce moment? Ça se passe comment à Metz? Je sais pas que c'est Metz. Ça baise un peu, papa, maman? Est-ce qu'ils vont te faire un autre petit frère? Ouais, il a dit j'en sais rien. Il a répondu premier degré. Ta mère peut avoir encore des enfants? Non. Non? Non. Bah non, frère, t'es sérieux quoi? Oui, mais faut le calmer, ce fils de p***. T'es malade ou quoi? Wesh, oh là, t'es fou! Wesh, t'as niqué le gosse, t'es un fou quoi! Mais t'es malade! Ça te t'arrive? Ah, mais t'es hargneux en ce moment. Hein. Ah, mais je sais. Pourquoi? Parce que là, il y avait. Parce qu'on était avec Gwen, on était. La glotte! C'est trop la faute. C'est pas ça.
la glotte. T'as vu, dès qu'il fait le fou. Il a pas la je sais pas quoi. Non, la thyroïde. Il faut attraper la thyroïde parce qu'elle est déréglée. Il faut la régler. Tu la prends, tu la branles un peu. Ah, ouais. Pas trop fort, tu vois, okay. Tu la chopes. Oui, oui. Tu la branles un peu. Et tu la chopes, hein. Chope la... Et quand tu chopes la thyroïde, tu peux plus rien faire. Il est bloqué. Comme un chat. Il est bloqué, il est comme ça. Donc, si tu fais chier, tu mets. Tu lui bloques la thyroïde. Bon, les gars. C'est mon premier test de thyroïde. Oh, non. Non. Ça va partir en couille. Ah, ça va mal terminer. Arrête, arrête. Vas-y, tiens. Je l'ai! Ah! Non, non, commencez pas à me gaber les couilles. Commencez pas à me gaber les couilles, ça fait super mal. Ça fait super mal, fils de p. Ça fait super mal. Tu veux que je te l'achope? Tu veux que je te l'achope? Tu veux que je te l'achope? Arrêtez! Arrêtez! Il m'a fait mal, d'ailleurs. Arrêtez! C'est bon, ça gave les couilles. T'en as pensé quoi? Ça gave les couilles! Ça se voit. Nique ta mère! Ça se voit, elle est mal réglée. Nique ta mère! Ça se voit, elle est grave mal réglée. Ouais, ouais, elle est mal réglée. Tu m'as mis un coup dans le pied. Tu vas où? Interdiction de sortir par contre. Hein. Ne m'oblige pas à remettre la porte. Ferme ta gueule. Je ne suis pas sorti. Oui, mais ne m'oblige pas. Ma Tu veux que je te la chope? Tu veux que je te la chope? Mais toi, t'as pas vu, c'était hors cam. Hors cam, toi, t'es assis, tu fais ça. Tu veux que je te la chope? Tu veux que je te la chope? Ouais. Je te la chope. Il voulait me sucer, je crois. Pour ceux qui ont fait des dents. Et n'hésitez pas aussi à monter dans le Discord. Ouais, et là, tu l'as mal pris. Non, je l'ai bien réglé. Non, parce que quand tu la chopes, bien, il est bloqué, comme ça. Ok. Après, c'est mon premier. C'est ma première opération. C'est ma première opération. On fait ça pourtant bien, la thyroïde. Arrête de casser les couilles. On chope la thyroïde. Ferme la porte à clé. Viens t'asseoir. Faut mettre un gardien de la porte. Je peux. Viens t'asseoir. On peut mettre Ayoub. Il s'est fait ban de mime pour être aussi tendu. Non. Je m'en bats les couilles, je vais être sur mime. Tu vas plus sur mime, c'est terminé. Bon, laissez-moi tranquille. D'ailleurs, en parlant de ça. Ouais, c'est bon, je sais pas c'est quoi, comme ça, c'est bon. Il s'est passé quoi? C'est bon? Il s'est pas vu. Arrêtez de me casser les couilles. Il t'a rien fait, arrête de mentir. Avec son élastique de merde. Il a fait quelque chose, il s'est passé quelque chose. J'ai rien fait. Mais il s'est rien passé. J'ai rien fait du tout. Cassez les couilles, voilà, franchement, vous cassez les couilles. T'es un acteur de malade. J'ai rien fait, non. J'ai rien fait. Il s'est passé quoi? C'est bon, lui, toujours, il râle pour rien, t'as vu? Il s'est absolument rien passé, merci. Non, par contre, arrête de faire l'acteur. Toby, que t'étais filmé? Fais pas l'acteur, de toute façon il y a les caméras, il y a les rediff et tout, tu peux pas me... Oh mais pourquoi tu le frappes gratuit comme ça? Mais pourquoi tu le frappes gratuit comme ça? Oui, il frappe fort à mort en plus. Mais t'es un détraqué, et toi? Toi de pute là. Toi de pute la thyroïde. Ça y est là, tu fais le caïd. Tu fais le malin. Moi je sais pas le faire, t'as de la chance. Parce que là... Ah t'as de la chance, je sais pas le faire. Attends, je vais mettre un gardien à la porte. Il est là, Ayoub. Je te sens tendu. Non, mais je peux pas live tout seul avec lui. J'arrive. Il va me frapper encore. Arrête. C'est bon, j'arrête. Non, j'ai pas envie. Promis, j'arrête. Oui. Pardon, excuse-moi. Ayoub. J'ai des bleus partout, regarde. Mais c'est quoi le rapport avec les bleus et ça? Regarde le bleu. Mais c'est quoi le rapport avec les bleus et ça? Bah, ça fait mal. Mais moi, depuis tout à l'heure, je tire là. Fais voir si t'as un bleu dans l'oreille. Ah, vas-y, c'est bon. Elles sont où les chaises? Moi, elles me manquent les chaises qui glissent. Je peux plus faire mes pieds drifter. Je peux plus rien faire. J'arrive, ils sont allés chercher à manger. Ça va, tu vas mieux? Ça y est, tu sais que c'est, je crois que c'est la vieillesse. Tu sais qu'il arrive plus à retenir ses pieds. Ah ouais? On en parle. Il était à côté de moi tout à l'heure, il a pété. Et il était choqué, genre il m'a dit, je te jure, il est sorti tout seul, il a pas forcé pour péter ou quoi. Arrête, c'est bon, s'il te plaît, arrête. Les lacets, ils étaient pas faits. Et ça, les gars, c'est pas un signe. Non, sérieusement, les gars, c'est pas un truc normalement, ça. Tu sais, quand t'arrives pas à te retenir, on appelle ça comment? Les vieux, ils ont ça. Arrête, ouais. C'est bon, t'inventes, là, t'inventes. Là, t'inventes. Là, clairement, on l'a, frérot, il y a 16 000 personnes. Là, je m'en bats les couilles, ferme ta gueule. Didier, est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Là, je suis son meilleur mix. Si, je veux Didier. Didier, no name. Incontinence. Tu sais, prostate. T'arrives vraiment pas à te retenir? Ça sort comme ça. Ouais, ça j'arrive à me retenir, mais là, rien. Ça arrive. Hein. Oh, c'est sorti, mais genre, c'était un pet tout bizarre. Ça va. Genre le pays était. Il m'a regardé genre en mode choqué, genre en mode. Y'a la France qui joue? Ah, je savais même pas. Je savais même pas. C'est une joélite aiguë. Non, je crois pas que ce soit ça. Le pays crie à l'aide. Non, pas à ce point. Mais genre, ça fait de la peine, ça veut dire que tu vieillis.
Comment t'as loupé ton avion? Bah, le premier, je me suis réveillé, sauf qu'il y avait grave les bouchons parce qu'ils ont fermé le pont d'Aquitaine ou je sais pas quoi. Et du coup, je l'ai raté. Après, j'ai pris un deuxième, je me suis endormi dans la voiture et je me suis réveillé après. Voilà. Moi, c'est vrai, deux avions, pas mal en fait. On te félicite. J'ai payé deux avions pour rien. Je peux te poser une question? Non, là tu fais semblant. JP, on est à côté, Je pense que il n'y t'as a des rien tics. eu. Je pense que. Je pense pense, ouais, ça fait des bleus. Ah, tic, je pense que ah, t'as des tic. tics. Ah, tic. Attends, je pense que. Arrête. Mais il est malade ou arrête, quoi? Tu frappes. Je pense que t'as des tics. Arrête, Fatim. Non, arrête. Je pense que... Il a rien fait! Arrête. Vas-y, arrête, assieds-toi. Arrête, tu vois pas que je sers à rien dans les. Arrête de mentir, regarde tout le monde qui dit arrête de mentir. Bah, je sais pas, va me chercher à boire. Ouais, franchement. Si tu fais ça, t'es un monstre. Je suis ça. Non, mais montre à tout le monde que tu fais rien et que t'es gentil. Ah oui. Tout simplement. Oh, t'as d'autres Mais signes? tu veux voir quoi? De l'eau à la steak. Rentre dans. C'est bien l'eau, très bon choix. T'as d'autres signes comme ça qui montrent que t'es en train de vieillir ou pas? T'en as remarqué d'autres? Non. Les articulations, ça va? Ça va. Quoi d'autre? Enlève ta main, je te vois pas, là, ça me semble. Rien du tout. Les pets qui sortent. Les cheveux blancs. T'as de plus en plus de cheveux Oui, blancs. c'est ça. Barbe blanche. Est-ce que tu. La goutte. La goutte, c'est les vieux, non? Ils ont la goutte. J'ai pas. T'as pas la gougoutte encore? Pas la goutte. Bon, t'as le P qui sort tout seul. Crise de la cinquantaine. Ah, c'est rapproche, hein. T'as quel âge là? 45. 45. Ça veut dire que là, bientôt 46. En janvier. Ouais. Eh ouais. Malheureusement. Malheureusement. 46. Qui dit 46 dit 47. Qui dit 47 dit 48, On arrive 49 et aux après 50. 50. 46, tu te rapproches. Voilà, t'es dormi, t'as ramené à boire. Merci. Je peux te poser une question? Qui dit 46 dit plus proche de la cinquantaine maintenant. Bientôt le demi-siècle. Hein. C'est incroyable que t'aies tenu jusque-là avec des clopes et du café. Par Juste contre, pour savoir, tu l'as ouais, frotté à quel oui, endroit encore? alors attends, parce qu'il s'est passé plein de trucs. Mm. Premièrement, il n'y avait pas de bouteille totalement pleine, Ouais. et du coup, j'ai dû la remplir. Tu vois le truc qui nous nettoie le cul aux toilettes? Ah, le G. Oui. Voilà, ok. Du coup, j'ai rempli presque les trois quarts avec le G, parce qu'il n'y avait pas de bouteille d'eau pleine. Mais est-ce qu'il y a eu. Fallait que je te ramène une bouteille d'eau pleine, Ah, non, c'est je bon, pense. vous me dégoûtez. En fait, de plus en plus que je vous connais, plus en plus vous me dégoûtez. Mais est-ce qu'elle est T'as une. bonne? Ta mère. L'eau. Mais là-bas, il y a la prise. Vas-y, frère. Mais c'est l'eau T'es des bon. toilettes, t'abuses, ouais. T'es bon, ferme ta gueule. Mais est-ce qu'il y a eu. Est-ce que ça a frotté? Non, j'ai pas frotté, j'étais de loin comme ça et genre, le truc Ouais, qui c'est bon, sortait, ça bah, allait c'est bon. directement de l'eau. Tiens, tu peux le voir un peu. Ah ouais, il y a des morceaux et tout. Mais il n'y avait pas de bouteille d'eau fermée. Fallait bien que je te ramène de l'eau, t'avais soif. Elle est pas pure, hein. Je vois qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur. Après, ça. Après, je crois l'eau. Carrément, frère, tu fais grave des manières. C'est l'eau qui est dégoûtée d'être dans ton corps. Et pas l'inverse. Arrête de faire semblant. La bouteille, dès qu'elle a vu, dès qu'elle s'est dès que t'as le bout, il s'est rapproché de ta bouche, le plastique, il criait. Non, laissez. Non! Oh, oh, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, t'es grave agressif. Vraiment malade, ça fait. Mais il avait soif et il n'y avait pas de bouteille d'eau. Il n'y avait qu'une bouteille d'eau, mais genre, il y avait un fond de bave. Et je vais pas le ramener un fond de bave, il avait soif, miskin. Il fait genre en vrai kiff, c'est vrai. Est-ce que l'eau, elle était bonne au moins? Ferme ta gueule. Est-ce que ça avait goût, genre? C'est devenu de l'acide. T'es énervé juste parce qu'il t'a Mais demandé si tu elle sais que avait un bon goût. je crois que l'eau, elle est filtrée aux toilettes. Ouais. Pour de vrai. C'est parce que c'est Kamel qui l'a installée et je crois que Kamel il fait pas les choses à Mais moitié. attends, c'est l'eau pour se laver le cul. Oui, c'est qui est le jet d'eau qui va dans le cul. Mais frérot, quelle est la différence entre ta bouche et un cul? T'as un bon savon, tu lui donnes de l'eau, merci. C'est un peu. C'est kiff-kiff. Fais ça. Fais comme ça. Fais voir. Oui, il a pété de la bouche, de la gorge. Je t'avais dit que ta bouche c'était un cul. Eh, vous avez entendu? Dites-moi que vous avez entendu. Elle a pété de la gorge. Wesh, mais c'est une dinguerie. T'as trop envie de rigoler. D'ailleurs, parce que. j'ai une mauvaise nouvelle. Pour toi. J'ai parlé avec Olive et apparemment Olive, il est en train de péter un plomb sur l'état du canapé, etc. Et j'ai vu avec lui pour que je reprenne l'appartement. Ça m'étonnerait, j'ai bu tana. D'accord. Il a pété de la bouche, de la gorge. Bah, ça m'étonnerait aussi parce que je Tu l'ai vu m'as juste tout compris, à l'heure. de la bouche après, il J'ai jette de vu la juste gorge. à l'heure et il est d'accord pour que je reprenne l'appartement parce que Oui, t'abuses c'est un ça. peu. Oui, c'est ça. Il a dit par contre, il va faire un état des lieux de ce Oui, c'est que ça. le carnage que t'as fait. Tu vas payer et ensuite je reprends l'appart. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que ça bouge sans le caca. Que je m'en C'est quoi, Donc, s'il c'est, te plaît, tu vas récupérer ouais, tu l'appartement? peux sortir de chez moi, s'il te plaît? Oui. Ah, c'est officiellement chez toi. Ouais. Bon, Juste qu'il parte en fait.
Et c'est quoi, c'est les mecs les, qui squattent, c'est un squatteur. Ouais, t'as rien à faire là-bas. Dami, il est venu, ça y est, il paye plus le loyer, il se pose dedans. Tu peux t'en aller, s'il te plaît. On va devoir te sortir. Hein. Et d'ailleurs, j'ai les doubles. J'attends juste que tu dégages. Et il faut que tu me donnes les clés. C'est quoi, la caution, hop, sous le nez. Ah là, tout qui part. Non, mais en vrai. Le canapé, 1000 balles. C'est le mien, c'est moi qui l'ai payé. Le canapé qui est là-bas. Vert, c'est moi qui l'ai payé 1000 balles. Bien, excuse-moi, parce que. Non, mais c'est bien, attends. J'ai payé les meubles, 1300 euros. Bah, tu récupères l'appartement, oui. Mais t'as plus rien, t'as plus de lit, t'as plus rien. Mais ça, ça c'est pas grave, c'est pas un souci. Tant que. Bah, si tu veux, garde ton lit et mets-le où tu veux dehors, ça, je m'en fous. Sous un pan, on peut tout te déplacer sous un pan. Mais il a dit, déjà, il y a 1000 euros pour le canapé. Le parquet, l'état du parquet, il est pas du tout content. D'ailleurs, il a dit qu'il va changer, il va mettre du carrelage. Et si seulement il savait. Regarde la caméra, si t'as des couilles. Regarde la caméra et dis. Ah non, ce que je c'est dis. C'est un secret entre nous deux. Oui, il y a une chaussette que je vois. Et dis, et si seulement il savait. Aïe. Non, ce que tu sais pas, c'est que j'ai eu vraiment cette discussion avec Olive. Mais je il a dit l'état du parquet, pas du tout content. Tu vas repayer tout le parquet, il va installer du carrelage. C'est bien l'appartement. C'est bon. Bah, il m'a dit ça tout à l'heure. Bref. C'est bien. Tu vas repayer le canapé. Tous les jours que vous allez faire le truc. Tu vas repayer le canapé. Tous les jours vous allez me casser les couilles pour avoir un appartement. Jusqu'au jour que je vais dire. J'en ai rien à foutre, je me casse. Ah, tu vas nous faire une coudou. Je me casse, je prends un autre appartement, comme ça vous ne me cassez pas les couilles. Bah, si tu veux. C'est quoi ça? Tu veux, il y a le canapé en Skype que t'as acheté. Coudou, il est parti, il y a le canapé. Faut le brûler. Comment ça, faut le brûler? Après, moi, ce que je peux faire, comme il a dit Riyad là-bas, je suis pas obligé d'attendre que tu partes, je peux y aller maintenant. Je peux aller faire un petit tour chez moi, parce que c'est chez moi. Ça, ouais. Je peux y rien. Je peux aller chez moi. Juste enlève le god de chez moi, s'il te plaît. Ouais, pourquoi il y a le god dans ton appartement? J'ai pas de god dans ma plein appartement, c'est bon. Déjà, c'est mon appartement. Tu dis ton appartement, c'est mon. Ton ancien, ton ex-appartement. Voilà, tu dis mon ancien appartement. Ton ex-appartement. Péter les pompes pour dire. Mon ancien. Oh, mais tu le frappes, mais ça va pour une histoire d'appartement. Aïe. Pour une histoire d'appartement. Tu crois que tu veux que je vais. Il a pas les mots. Bah, écoute, d'autres choses à. C'est pas grave, hein, tous les gens qui se font virer chez eux, ils ont toujours cette réaction. Après, frérot, enfin, tu me diras, il reste toujours le pont en face du local. C'est bien, rigolez, je m'en bats les couilles. Under the bridge. Frère, on te met 2-3 armoires. C'est bien, ferme ta gueule. On t'achète un lit. Il a déjà les armoires. Le lit, il a un lit. Il a un lit, t'as un lit de place. On fait tout le déménagement. Tu peux dormir avec tous les boulements que tu veux. Le pont, il y a le paillon qui traverse. J'avais envoyé la fibre. Au poisson dans le paillon. On a juste à tirer un câble de l'eau du paillon. On le refait monter. On t'installe même ton setup sous le pont. Tu seras sans doute. Merci, oui, la team poisson qui est là d'ailleurs. Donc gros bisous à vous. Mais écoute, ce qui est incroyable, c'est que tu seras le premier homme à faire des lives sous un pont. Mais je m'en bats les couilles. Et on renomme ta chaîne. On l'appelle le JPSDF. Et d'ailleurs, tout ce qui est rentré dans l'appartement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à que tu l'as pris, reste dans l'appartement. Sauf le god. Et toi. Si, l'armoire et tout, c'est bon, frère, je crois que tu vas la récupérer. Ça y est, pour 1300 euros, tu vas pleurer. T'as niqué le parquet et tout, faut pas abuser aussi. T'as niqué le parquet, le canapé, l'état. Il y a des animaux chez toi, tu te rends compte? C'est même pas des animaux domestiques, il y a des animaux chez toi. Il y a des insectes. Tu ne vis plus tout seul. Pourquoi tu le frappes? Mais t'as mal, mais pourquoi tu le frappes, frère? Mais il est complètement con, ce mec. Oh, il a tête d'homme, il est devenu grave violent. Tiens, t'es devenu grave violent. Ouais, il est devenu grave violent. Okay. Fou, faut le baiser, lui. Il a tête d'homme, faut le baiser. En fait, si je suis pas réactif, je me mange des patates dans la tête. Oh, t'as la main, elle est fluide. C'est parce que je pense qu'elle est mal réglée. Elle est réglée. Oh, frère. Arrêtez de me casser les couilles. L'eau des toilettes, frère. Arrêtez de me casser les couilles. C'est bon. Je croyais que je suis un chat de p. Arrêtez de me casser les couilles. Le SDF, t'as plus de maison. Aide ta mère. Le SDF, il t'emmerde et tout. Ok? Oui, mais il a pas de maison. Va niquer tes morts. Allez, sors de chez moi. Va niquer tes morts. Donne-moi les clés. Ferme ta gueule. J'ai pas les clés de toute façon. Ils sont là. Nique tes morts. Rends-moi les clés de chez moi. C'est bon, ferme ta gueule. Donne-moi les clés. C'est chez moi, t'es un malade. Mets-toi, ouais. Les côtes. Là. T'as vu comme il est devenu violent? Ferme ta gueule. Non, attends, s'il te plaît. Non. Oh, là, je m'écarte. Il s'est rien passé. Attends, juste, je regarde un truc. La tête de moi. Attends, non, parce que tu le mets pas en bonne condition. Imagine, c'est une chatte. Ah, c'est bien. Allez, ça fine, c'est bon. Il a un œil ouvert, un œil fermé. Vous savez ce que c'est, ça? C'est la vieillesse. Fais voir. Montre, regarde-moi. Faut qu'on change l'objectif de la cam. Ouais, en fait, non, c'est dans les réglages. C'est pas l'objectif. C'est comme j'ai changé de caméra parce que l'autre, elle marche plus. C'est Baki. Ah ouais, là il se met en mode Baki.
Regarde-moi. Non mais regarde-moi, mets-toi face à moi. Enlève les lunettes. Ouvre bien les yeux. Tu connais Fetty Wap? Comme ça. Regarde la caméra, ouvre bien les yeux s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ouvre bien, à fond. Ouais, c'est bon. Non, non. Je te jure que non. Non, la tête dans, je suis sérieux. C'est bon. Non, mais vas-y. Je veux voir si t'arrives à bien les ouvrir, les deux. Les deux, vas-y, ouvre le grand plus grand, vas-y. Regarde. Ouvre. Ça va? Y'a pas de problème, les gars. Tu connais Fetty Wap? C'est bon ou pas? Ok, bon, pas grave. Sabine, tu peux la JP, je sais. Tiens frérot, la suite, grosse force à votre famille Owen et Gwen, cœur sur vous et désolé pour le FDP, je rigolais, les 100 grosses bises, Jay vous aime grave. Merci. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Franchement, je vous dis les choses, tant mieux que le coteau ne soit plus là, il a profité de vous, il est devenu pire que JP et j'ai peur pour lui sans vous, j'imagine même pas les dégâts qu'il reste loin. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Je t'énerve, ouais, bah, rien, rien à là, comme ça. Pendant la punition du coteau, je propose de mettre Kenny en intérim à sa place, ce serait cool. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah, t'as des tics, la tête qui t'a des tics. Pourquoi notre réincarnation est repartie dans le coteau? Pourquoi toujours moi, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toujours? Arrête! Wesh, mais c'est vraiment lui! Ça fait! Les mecs, j'y pense, vous m'avez ban par erreur du Discord, j'y pense que c'est Gwen W, j'ai rien fait, mon blaze Discord, c'est TH3-Bascar. Frérot, je te mens pas, je vais jamais sur Discord, ma gueule. Quoi? Je veux pas les mots là! Gwen, bon courage, geste de prière. Force à toi, Gwen, et à ta famille, et va niquer ta mère, JP. Va niquer la tienne. Je trouve que tout était dans l'ordre dans sa part. Pourquoi tu me prends? JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, d'accord, je suis content parce que j'ai esquivé, mais j'ai mal au dos. Bon. Merci, merci pour les 10 merci. Euros! Non, par contre, s'il te plaît, déjà rentre un peu plus dans le champ. Et s'il te plaît, JP! JP! Toujours, je regarde juste qu'il n'y a pas un problème à l'heure. Ouais, d'accord, rien à foutre! Ah! Ouais, non, frère! Ouais, il y a un don, on doit respecter les dons, puis c'est du fidat! Vous avez le droit de souffler, faites une soirée off et passez là pour vous reposer, tapez un si vous êtes d'accord. Essayez tranquille, je peux poser une question. Merci, laissez-moi tranquille. Tu nous as manqué! Comment ça, laissez-moi tranquille? Gwen, une grande force à toi et ta femme dans ce moment difficile. Tu as tous notre soutien. Tu seras dans notre prière. Force à toi aussi, Owen, et ta famille pour ce moment très difficile. Cœur. Yes, thank you. Thank you very much. JP! Match. Quoi? Much. Je veux pas les mots là. Match. Ouais, bah j'ai rien à foutre. The match. Ouais, je les gars, je vous jure que j'ai même dormi par rapport à Gwen parce que j'étais grave inquiet. Forcez à Gwen, oubliez pas Zoego, restez fort, il va s'en sortir, il a toujours été fort, il restera. Donc pour Gwen, et que pour lui, toutes mes prières pour lui et sa famille, on t'aime. Et JP et NTM, on dirait t'en as rien à foutre, tu penses déjà à ta future branlette. Gwen, thank you, force, cœur, cœur, cœur. JP! Thank you. Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Je pleure trop, la vie est tellement injuste. Des gens avec un cœur incroyable comme ça. Je prie de tout mon cœur pour Gwen et si jamais la communauté peut faire quelque chose, ce sera avec plaisir. JP! Merci, merci les quoi? Gars. Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. T'as vu ça? Ça, c'est le prime de l'humour et du divertissement. Ça, tu comprends quoi? Pas. Je veux pas, tu peux pas comprendre. Ouais, bah, j'ai rien à foutre. Peut-on faire un live spécial où tous les dons de la soirée seront reversés à Gwen ce soir? Si vous voulez, même ce soir, on lui versera quoi? Ce soir, mais même si vous voulez demain au cas où. Ouais, bah, j'ai rien à foutre. Ou quoi que ce soit. Force à Gwen, cœur, geste de prière. Est-ce que pendant les matchs de l'équipe de France à l'Euro, il y aura day-off et à ça dépend, ils sont à quelle heure les matchs? Très bonne question. 21h, 15h, 18h, 21h, ok, bon on verra. On mettra JP en pom-pom girl en bleu-blanc-rouge. Je sors d'une rupture amoureuse, vous m'aidez beaucoup à LER mieux. Merci énormément et je foudroie la mère à JP. Merci, ça fait plaisir. Alors t'as mes frérots, alors tu me foudroieras jamais, mais t'as des tics de BZ. Qu'est-ce qu'il y a? JP! Quoi? Je veux pas les mots. Une amie qui attend un bébé pour octobre a été. On va la péter un câble, vieux. Gwen, t'es le big boss. Owen achète des bonbons à ton neveu avec ses 4 euros pour qu'il ne pense pas à ça. Les modos FDP. T'as une outil? Je crois qu'il a une outil. T'as un gros problème.
T'as... Il a rigolé ou je rêve, je crois. Hein. Vous voulez me faire une attaque sournoise? C'est quoi, t'as des tics, t'as mal au rêve, t'as une otite? T'as une otite? Il a une otite, les gars, je crois qu'il a une otite. C'est à cause du vaccin. Eh ouais, c'est à cause du vaccin, frère. T'as fait le vaccin? J'ai pas fait le vaccin. Non, toi, mais le vaccin Covid à l'époque, tu l'as fait? Pourquoi tu te grattes les couilles comme ça? C'est respect. Ah ouais, j'ai même pas vu. Non, mais c'est respect. Toi, tu te grattes les couilles. Ah quoi, j'ai des couilles. Il a une autiste. T'as une autiste? Dans l'oreille? T'as une autiste dans l'oreille? Vous avez vu comment il est hors cam? Le vaccin pour les caniches, pas plus. Alors attends, il a vraiment jamais accusé, j'ai pas suivi. Les gars, pour ceux qui, je vais remettre les choses dans le contexte. Quand je m'exprimais par rapport à Koudou, j'ai raconté une histoire qui s'est passée au local. Comme quoi, il y a eu un vol au local, il y a quelqu'un qui a volé une sacoche avec 500 euros en liquide dedans. Ok? Je vais revenir sur le sujet. Et dans le local, au moment où on voit la sacoche, tout le monde quitte le local, il y a la sacoche. Il reste deux personnes dans le local. Koudou et une autre personne. Et les gens... il y a des gens qui s'accusaient Koudou. Et en gros, j'ai expliqué, je dis, moi, je me suis mis des gens à dos pour défendre Koudou. Pourquoi avoir 500 euros en liquide aussi? Frérot, ça te concerne pas, on s'en bat les couilles. Neuf, j'ai pas dit que Koudou les avait volés. J'ai dit, au contraire, j'ai dit, pour Koudou, je me suis défendu. Ouais, je l'ai défendu, on a toujours été là pour lui. Comme comment quoi t'as fait que... pour basculer sur ce sujet de merde? Non, parce qu'il y a un mec qui, depuis tout à l'heure, il spam le message. Il est où le... Ah, il... Oh, t'es où? Oh, viens, Léo. Quoi? Mais viens fumer là, viens fumer là. Il a des tics, les gars. C'est compris, je peux le casser, ça. En mode 500 euros, c'est 5000, ouais, c'est des malades, frérot. Je pense qu'il va mal au dos, après. Non, je réponds pas à tout ce que tu vois. Ouais, mais même, si ça peut lui faire plaisir, ça fait 5 fois, il spam son message. Attends, je remets les donations vite fait, tac, tac, tac. Mais plus jamais, tu... Franchement, quoi? Je veux pas les mots, là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. J'habite pas loin de chez Koudou, tête de ma mère, je vais vous chercher votre écran. Visage non, gars, avec des larmes de joie. L'écran, moi, je lui ai offert, je lui ai dit de partir avec. Je veux pas aller moi. Elle est là, la clope, elle est toujours là. Eh Sam, les frères, je vous envoie mon premier don pour soutenir Gwen. Portez-vous bien, les frères, et JP, même si tu es un zgeg, on t'aime. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? On peut revenir à la réalité? Les clés de mon appart? Bah parce que tu crois qu'on était où là? Allez. Arrête de plier dans mes poches. Arrête de plier dans mes poches. Vu qu'il me donne les clés chez moi. Vu qu'il me donne les clés chez moi. Il t'a mis! Waouh! C'est bon! Oh! La colère revient. Ah! Il m'a enfoncé ses ongles dans ma peau! Non, impossible, j'ai pas bon. Il a fait une V2. Non, impossible. Il a fait ça. Il a fait ça. Quoi? Tu veux pas aller, moi là? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Oh Gwen, peux-tu mettre une barre de dons pour Gwen ce soir? Nous l'on demain, lui offrir un voyage avec sa famille pour qu'il se change les idées lorsqu'il ira mieux. Nous sommes tous avec toi Gwen, on t'aime. Demain tranquille les gars, demain tranquille. Qu'est-ce qu'il fait frère? Et la clope, tu peux pas la mettre là frère? Éteins-la, je sais pas, frérot, d'habitude tu l'éteins à la main, tu la mets dans la poche. Attends, ne me dis pas que tu l'as jetée alors qu'elle est encore allumée. Attends, tu l'as jetée en bas? Ouais. Mais frérot, tu sais qu'en bas, il y a nos voitures, c'est notre parking. Ouais, tu sais quoi? Ouais. Tu vas toutes les... J'appelle le propriétaire. Mais t'appelles, c'est bon, comme ça, tu casseras les couilles. J'appelle... Parlons de propriétaire, vraiment, mec, s'il te plaît. J'appelle le propriétaire. Tu dormir chez moi ce soir. Du local. Arrête de me casser les couilles. Arrête de me casser. Fais un truc, toi, frère. Tu sais quoi, je vais appeler mon oncle. Vas-y. Moi qui parle. Allô, Olive. Ça va, mon frère? Attends, il y a un dent. Attends, il y a un dent. Rapproche-toi. Qui veut pas comprendre. Là, c'est le propriétaire. Bon courage, les gars. La famille avant tout et on est tous avec vous. Cœur, JP, tu es le meilleur. Merci. Alors, écoute, il y a tout le monde qui t'entend et surtout le mec que tu veux virer de chez toi. Vas-y. On était d'accord pour que je reprenne l'appartement de JP parce que justement, il a niqué le parquet, le canapé. Ouais, on a bien négocié tous les deux, c'est bon. Merci. Eh ben, tu peux lui dire qu'il me donne les clés, s'il te plaît? J'aimerais dormir chez moi. Oh, tu peux dormir avec lui même. Non, je veux qu'il sorte de chez moi, c'est chez moi. Après, tu fais ce que tu veux. Tu veux rester en couple avec lui, tu le fais. Hein. Merci. Tiens, il t'écoute. Dis-lui qu'il me rend les clés, s'il te plaît. J'ai fait, rends-lui les clés. Hein. C'est fini. Alors là, tu l'as mis de vie. Tu dois faire à moi dans l'appartement. Non, t'inquiète, je l'ai jeté par là. C'est bon, nickel, il a dit qu'il avait. Oh, il a dit. Arrête de me frapper, mais frappe pas, j'ai rien fait. C'est bon, il va enlever toutes ses affaires. Merci. C'est bon. Les fourmis, il a dit enlève toutes tes affaires et enlève les fourmis.
C'est bon. Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Et il a rayé le parquet sous le tapis. Oh, je suis obligé de voler mes clés, wesh. Donne-moi mes clés. Ah là, là, je lui ai dit. Il n'y a pas de clés. Donne-moi mes clés, je vais dormir chez moi. Je vais dormir chez moi. Donne, je vais dormir chez moi. Ils sont où les clés? Ils sont où les clés? T'es sorti de chez toi sans les clés? Tu me prends pour un con? Vas-y, donne-moi les clés. Donne, je vais dormir chez moi. Je barre. Les gars, pas de bagarre. Arrête de casser les couilles. Je te balance. Hein. Arrête de casser les couilles. En gros, je vous explique, les gars. Il avait mis son siège gaming sur le parquet. Et c'est un vrai parquet. C'est un parquet en vrai boîte. Un truc qui coûte cher, sa race. Il avait fait refaire un neuf. Et les premiers jours, il jouait sur le setup avec la chaise gaming sur le parquet. Il a le parquet. Il a rayé de tous les côtés. Du coup, quand il a vu, il est allé acheter un gros tapis. Pour ça qu'il y a un gros tapis sur le setup. Voilà pourquoi t'as mis un tapis. Vous ne passerez pas. Ah là, c'est toi, c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est bon. Sérieux, sérieux, frère. Non, c'est bon, t'as juste perdu un appartement. On dirait que t'as perdu un truc de fou, frère. Ferme ta gueule. Non, non, non. Je suis là, je suis au milieu. Niquez vous mouer. Niquez vous mouer. Vous mouer. C'est bon, écoute, tu me rends les clés, frère. Et moi, je te ramène tes affaires. Attaque et perdu. Je te rends tes affaires. On dirait une embrouille de couple, frère. Vas-y, rends-moi mes clés, puisque c'est chez moi. Non, elles n'ont pas. Elles sont là. J'ai touché. Tu ne passeras point. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est puni par la loi, ça, qu'ils me rendent pas mes clés? C'est chez moi, ils le verraient, genre, ils ne veulent pas rendre les clés. Non, c'est sérieux, JP, sérieux, il va falloir te faire une raison à un moment donné, c'est terminé. Oui, c'est puni par la loi. Combien? Ah, c'est vous. C'est puni avec de la prison. T'es un squatteur. Ouais, ouais, t'es un squatteur. Vas-y, la charge de chez moi. JP, ouais. JP, viens. C'est dégueulasse ce que tu fais. Attends, il va nous parler. Viens. JP, avec tes ongles, c'est pour ça que t'as les ongles noirs. Tu grattes tout ce que tu vois. Allez, ouais. Assieds-toi. Moi, bon, peut-être que tu comprends pas, mais si je suis en arabe, Mester. Assieds-toi donc. Mester. Ah, apparemment. Non, ils sont pas sur les. Apparemment, les squatteurs. La poche de gauche, y a rien. Les squatteurs en France sont protégés. Mais non, mais on n'est pas en saison hivernale. Ouais, on est en plein été. Sors de chez moi. Non, allez, vas-y, c'est juste moi, je voulais que... Un petit mot... En tant que mec viré de son appartement. Juste un petit mot pour la communauté. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Un mot. Ferme ta gueule. C'est pas un mot, c'est une insulte. Alors, une phrase pour dire à... Fais un bruit au moins, on m'a topé, je sais pas. Une phrase. Pour dire que t'es viré chez toi. Ferme ta gueule! Oui, là, ça se voit qu'il est viré chez lui. C'est une insulte, ça. Enfin, c'est plus chez toi maintenant, c'est chez moi. Ouais. D'ailleurs, la télé, tu la laisses. Bon. La télé, tu laisses. Une phrase. La télé, c'est la mienne, elle est chiante. Non. T'as niqué le parquet, frère. Le parquet, c'était pas à toi. Ça se paye, le parquet. Le parquet, c'est pas à toi. Le parquet se paye. Le parquet. La télé, tu la laisses. Tout ce qu'il y a dans l'appartement, tu le laisses. Et le PC aussi. Parce que tu comptes le brancher où, le PC? Les seuls trucs que tu peux prendre, c'est les mouches et les fourmis. Voilà, tu prends tes copains. Ouais, tu prends même tes copains là. Même tes habits. Tes petits copains et tu les laisses chez moi. Je suis la chambre de chez moi. Tu prends tous tes petits copains et tu dégages. Non, c'est bon. Là, c'est bon. C'est dans la porte. Reviens. Non, parce qu'on rigole, mais en vrai, ils sont en calcul. Ils sont en calcul. Il est pas seul à squatter chez moi. Il y a lui et ses collègues. Attends. Ils sont presque 2 millions. Reviens. Non, par contre, asseyez-vous. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on discute. Oh. Ah, il est en train de faire ses valises. Je sais pas ce qu'il fait. Il prépare ses valises. Non, mais il a un truc dangereux dans les mains. Moi, je vais pas rigoler avec lui. JP! Non, je veux quand même qu'il fasse un petit message, les gars, pour parler de son départ. L'appart, la smart, la thyroïde, le PC, on va tout prendre. Oui, non, la thyroïde, tu la gardes. Ça, non, je la prends, la thyroïde, je la rush. Oui, ben toi, si tu veux. Moi. Je lui ôte la thyroïde. Allez! Oh! Il bouge. Si tu crois fuir la justice, tu vas pas la fuir, la justice. Il bouge. Tu vas prendre les clés. Non, c'est bon, asseyez-vous. Tu vas me rendre les clés. Vas-y, assieds-toi. Arrête de me regarder avec ses yeux, moi j'aime pas. Ouais, j'aime pas. Je suis fragile, frère. Tu vas frapper un gosse? Bah, vas-y, Owen. Viens, Owen. Je peux rien faire. Il est trop chaud ce soir. Bah, vas-y. Rapproche-toi, rentre dans le champ, rapproche-toi Safine, s'il te plaît, n'interviens pas. Oui, ben je te laisse faire, vas-y. Une phrase sans insulte pour annoncer à tout le monde que tu quittes l'appartement. Une phrase. Ah,
T'as tout le monde qui... Ah bah t'es quoi, vu qu'une phrase c'est un mot. Un mot où t'annonces que t'as quitté l'appartement. Un mot. Tout le monde attend, regarde. Je dois te faire des guillis. Ah c'est mouillé frère. Je transpire. Ah regarde-moi, regarde. Un mot. Et il est là. Oh t'es là. T'es là. Ah je crois qu'il fait le mort. C'est une technique pour pas rendre l'appartement. Il fait le mort. Il fait genre le mec. Moi tu m'as dit j'interviens pas, je reste là pour l'instant. Attends, parce que je veux pas qu'il y ait de conflit entre vous deux. Je veux qu'il y ait un bail, tu vois, je veux qu'il y ait un truc propre. Moi je veux qu'on trouve un arrangement. Voilà. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. Parle plus fort, Wen, c'est la vieillesse. Un mot. Il a compris. T'as compris ? Nique ta mère. Non, ta mère. Non, pas ma mère. Nique tes morts. Et c'est pas un discours de quitter l'appartement. Et c'est. Ça m'aide. Yamina, qu'est-ce que t'as? Tu t'as ta crise. Un mot. La tête de en même temps qu'il a pas fait son discours de comme quoi il quitte l'appartement, son discours d'adieu. Jamais de la vie je quitterai l'appartement. T'as compris? C'est pas ça que tu dois dire. Jamais de la vie. Tu t'es trompé là dans ta. Non mais t'es viré en fait. Jamais de la vie. Il faut quoi? Attends, j'avoue où tu me fais une kim. T'es viré. Oui c'est ça. Sors. Il faut qu'on te mette un script. C'est ça? Tu as un prompteur? Allez, un mot, genre ciao. Non. Oh, il croit qu'il est proprio, frère, t'es viré, c'est bon, t'es viré, et puis c'est tout, tu passes à autre chose, allez. Pas une tenue, ça. C'est pas une tenue, Raphaël, c'est bon, c'est fini l'équerre, maintenant, on est passé carrément à... Salut, Safine, pour ton appartement, je peux venir faire le carrelage gratuit. Merci, mais je veux quand même qu'il le paye, lui. Je peux rien. Parce que c'est lui qui a baisé le parquet. Ouais, comme dans Secret Story, il quitte la maison. Yamina, bah quoi, tu tapes ta crique. Oh là, commencez pas à me gaber les couilles. C'est pas la maison des secrets, c'est la maison des fourmis. Il va quitter la maison des fourmis. Et non, je suis plus beau-père, les gars, c'est rien. Ouais, t'arrêtes de jurer. Non, sérieusement, vas-y, s'il te plaît, pour tout le monde, allez, vas-y, un mot. Nique ta mère. Nique ta mère. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, il a quelque chose, il va le prendre. Oui, attends, tu vas discuter, tu vas. Dégage. Oh, j'avais fait que le lycée, cette chose. Dégage. Pourquoi tu me tiens quand tu tombes? Mais je veux le. Dégage. Il a trop d'amis fourmis chez lui, il veut pas tous les quitter. Ah, c'est ça. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à votre départ? Je l'ai mis directement dans la thyroïde. La thyroïde, elle va parler. C'est pas toi qui va parler, c'est la thyroïde. Manique, t'es mort! Je colle la. Attends, t'inquiète, je vais le faire. Écoute, ne le prends pas mal, juste la thyroïde, est-ce qu'elle a un truc à dire? Rentre dans le champ, s'il te plaît, rentre dans le champ, frère. Juste, t'inquiète, tu vois. En fait, tu sais pas où est-ce que ça se trouve. Oui, elle est là. Attends. Elle parle. Non, attends, viens, je te montre, elle est où exactement la thyroïde? Elle est là. Excusez-moi. Oh! Avale! Elle est là. Comment? Attends. Avale. Comment vivez-vous votre départ? Avale. Je crois qu'il a plus de thyroïde. Faut que j'aille. Comme là. Dis-lui qu'il a mal. Avale. Allez, tous. Tous. Avale. Tous. Avale. Dis. Attendez, elle parle plus. Elle est timide. C'est une thyroïde timide. Tu fais mal. Mais doucement. Tu fais mal, fille. Bois un peu d'eau. Ramène-lui un truc à boire. Ah oui, encore. Ça va parler. Oui. Non, mais après un truc vrai, fermé. Ouais. Je veux que ça. Un petit mot, vas-y, il est pas là. Un petit mot. Oh! C'est bon. Je teste des trucs. C'est bon. J'ai entendu, je sais pas si vous avez entendu. Ah, timide la thyroïde. Je sais pas si vous avez entendu à un moment donné, on a entendu la thyroïde parler. J'ai trouvé que du Powerade. Alors, frère, je t'explique ma gueule. T'as vu, ça mousse. Excellent. Excellentissime. Faut qu'il sorte de chez moi. C'est comme ça, si ça me rappelle quoi? Ma mère quand elle lave les vitres. Ça sent exactement la même odeur. Tiens. C'est du Powerade. Ah, ma mère lave les vitres au Powerade. Mais dans lui, il faut qu'il sorte de chez moi. Allez, bois. Allez.
Là, vas-y, vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère. Et un dernier mot. Si t'es pas capable de le dire, la thyroïde va parler. Faut que j'aille la descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh oh, mais c'est embêtant. Là, j'suis trop indécis, j'ai le nuage en jour.